J'ai commencé pour de vrai en 2009, mais quand on était jeune, on avait 10-12 ans, on faisait toujours nos jouets nous-mêmes, des petits revolvers, des jouets, des arcs, des serpents, tout ça. Mais ça a toujours resté de travailler le bois. Ça fait que j'ai eu l'idée de faire revivre les gens à qui je pensais, que je voyais. Je les fais revivre. Comme petit nez, bien, c'est comme Pinocchio de notre enfance. J'ai deux petits ours aussi que j'ai fait, Yogi et Bobo, dans le cèdre. 42 pouces. C'est toutes des idées de notre enfance et des gens qu'on voit communément, comme les pêcheurs. Je fais revivre des pêcheurs. Je fais revivre le capitaine de Christopher Allen, que j'ai en sculpture aussi, en exposition. Ça fait que je me base sur une idée puis je pars d'une bûche de la mer. C'est des bûches de la mer que je ramasse chez moi. Habituellement, la bûche de la mer le rejette sur les roches près de chez moi, puis elle est déjà séchée, mais elle est détrempée. Fait que je la coupe, je la fais sécher. Après ça, j'ai dit, ça c'est un pêcheur, ça c'est un capitaine, ça c'est un Indien, dans ma tête. Puis j'ai toujours l'idée. Quand je vois la pièce, j'ai mon idée. Là, je fais la stèle, puis assis mécanique, je coupe la bûche. Puis après ça, je prends avec les ciseaux. J'ai les anciens ciottes. Fignolé. Ouais, puis mes maillets, je fais mes maillets moi-même, c'est du pommier, pour cogner sur le ciseau. Puis un petit peu de sablage. C'est 45 heures à 75 heures, 70 heures, 70-75 heures. Mon nom Christopher Allen, qui pèse 125 livres, là, lui c'est 70 heures, puis j'ai rajouté des heures. Parce que des fois, les sculptures ils craquent un petit peu, il faut les réparer, il faut les repeinturer, il faut mettre un peu de brandy avec de la colle, puis tout peinturer ça, pour que ça apparaisse. Je peux prendre une image sur Internet ou à la télévision, je photographie. Je vais vers cette image-là, mais je ne le fais pas réel, tel quel, parce que c'est de l'art naïf. Transformer l'image de bord. Oui, je le transforme. Comme lui, petit nez, j'ai fait ses mains en arrière, il est comme gêné. Tu sais, okay. J'ai fait en arrière, ça. Il y a un air gêné aussi. Oui, il y a un air gêné. Ouais.